Alors, yo, salut tout le monde, c'est Proz et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Advanced Warfare Free For All Ascend. Ça commence dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1, let's go. On rentre là-dedans, boum, camo, diamant, pourquoi pas. Parce qu'on est bling bling boy les amis. Wouh. Aujourd'hui, j'ai quelques petites choses à vous parler. Premièrement, j'aurais une petite question, un peu qui sort comme ça de nulle part. Je me demandais, est-ce que ça vous plairait que je fasse quelques vidéos un peu plus IRL sur ma chaîne? Ce que je veux dire par là, c'est vraiment que comme des vidéos un peu comme sorties de Call of Duty. Par exemple, des vidéos de qu'est-ce que je ferais dans la vie de tous les jours. Par exemple, une vidéo où j'essaie de cuisiner, pourquoi pas. Une vidéo où je vais aller magasiner dans des activités quelconques. Là, je vais faire des activités, est-ce que ça vous tenterait que j'apporte... Comme, mettons, l'excursion au chalet, par exemple. Que j'apporte ma caméra, puis que je filme des parties comme ça, des affaires comme ça qui se passent. J'ai des petites vidéos comme ça de moi, IRL. Je voudrais savoir si ça vous plairait que je fasse ça sur ma chaîne. Parce que je sais que c'est pas toutes les chaînes qui peuvent vraiment faire ça, parce qu'il y a des chaînes que le monde sont vraiment attachées à Call of Duty, puis que c'est pour ça que le monde le regarde. Par exemple, je parle de certaines personnes qui sont vraiment populaires dans la phase pour leur talent en tant que tel. Ben, c'est vraiment par rapport à ça. Oh, ravitaillement. Allez, deux. Allez, on continue. Come on, quelqu'un. S'il y a du monde en FaZe qui sont vraiment juste pour leur clip, mais il y a d'autres personnes, par exemple, je sais pas si vous connaissez, mais FaZe Jev, lui, ses abonnés sont vraiment là juste pour sa personnalité. Des fois, il peut faire des vidéos, ça va juste être un petit vlog comme ça qu'il va faire. Et ses vidéos vont faire très très bien, plus bien des fois que ses vidéos avec Call of Duty. Juste à cause du fait que le monde, ce qu'il apprécie, c'est lui, c'est vraiment sa personnalité. Et comment qui est comme personne. Et je voulais savoir si ça vous plairait vous, puis si vous seriez prêt à aller regarder mes vidéos qui seraient pas de Call of Duty. Parce que c'est sûr que j'essaierai de les faire les plus divertissants possible. Et moi aussi je dois vous dire que des fois quand je regarde des vidéos de personnes que je regarde puis je vois que c'est pas du Call of Duty, des fois j'ai tendance à dire comme non, je sais pas si je vais cliquer, ça m'intéresse pas trop. Mais au final, la plupart du temps je me ramasse à cliquer puis je vais regarder. Et je dois vous dire que des fois c'est des vidéos que je me rappelle encore aujourd'hui parce que c'est des vidéos que j'ai vraiment aimées. Par exemple, il y a une vidéo d'un gars qui faisait que c'était une vidéo de surf. Et je savais pas si je voulais vraiment la regarder, ça m'intéressait un peu, tu sais, j'étais pas trop sûr. Puis finalement, je l'ai regardé puis j'ai adoré sa vidéo au complet. Je trouve ça vraiment divertissant de le voir. Donc c'est ça, je voulais savoir pour vous si ça vous tenterait que j'essaie de faire des petites vidéos IRL comme ça sur ma chaîne. Et si vous seriez prêt à les regarder. Donc laissez-moi ça dans les commentaires tout le monde si ça vous tenterait un peu de vidéo comme ça. IRL. Et oui! La petite quad feed, let's go! Ouh, en plus, c'est une furry kill, wow! Je m'attendais quand même pas à ça, yes, c'est quand même nice, let's go! Une belle petite quad feed en free for all sur Advanced Warfare, let's go! Ça faisait un petit bout de temps, j'avais pas entendu le clip, ça fait du bien, c'est le fun, on aime ça! Ouh! Coudon, on roule encore! Qu'est-ce qui se passe ici, tout le monde? Donc, j'ai entendu dire, vous avez sûrement entendu dire aussi, qu'ils pensaient rentrer des nouvelles armes sur Advanced Warfare. Et dans certains choix qui ont été sortis, vous avez sûrement entendu parler qu'il y avait le Intervention. Moi, je me demandais, est-ce que ce serait vraiment quelque chose de bien de rentrer le Intervention sur Advanced Warfare? Personnellement, moi, je sais pas pourquoi, mais j'adorerais ça avoir un nouveau sniper sur Advanced Warfare. Surtout un sniper comme le Intervention, je trouve que c'est vraiment quelque chose de vraiment spécial à voir parce que je m'attendrais vraiment pas à voir quelque chose comme ça. Mais c'est ça, je me demande comment ils vont faire pour le rentrer. Je m'explique. Pour tous les grands fans ici de Modern Warfare 2, vous êtes sûrement très familier avec la façon que le Intervention se manie, comment je devrais dire. Par exemple, avec les YY, tout le kit, c'est vraiment, comme je vous dis souvent, c'est un sniper qui a vraiment un style particulier de façon de le manier. Et personnellement, je trouve que c'est vraiment pas un représentant du style d'Advanced Warfare. Par exemple, quand on regarde les YY sur Advanced Warfare, comme vous pouvez voir, c'est bizarre parce que sont faits différemment, puis c'est pas du tout le même style de fluidité que le Intervention sur Modern Warfare 2. Fait que moi je me demande comment ils vont faire pour rentrer le Intervention sur Advanced Warfare s'ils voudraient le faire par exemple sans
changer les mécaniques du jeu au complet, parce qu'ils peuvent pas décider de changer les mécaniques de Huawei juste pour un arme. Enfin, en même temps, je me demande si ce serait pas, peut-être, pas un gâchis, mais comme s'ils seraient pas un peu en train de péter l'intervention, comme ils seraient pas aussi plaisant qu'il est normalement. Je sais pas, mais pour de vrai, je suis quand même, peu importe ce qu'ils feraient, je pense que je serais encore complètement d'accord avec le fait de rentrer un autre sniper sur Advanced Warfare, parce que c'est vraiment le morse que j'utilise et la classe aussi. On va essayer de faire un petit kill avec la classe justement vu que j'en parle. Allez. Et voilà la classe aussi. Oh my god, on aurait pu avoir un autre clip. Wow, on était tellement proche. Le gars il m'a juste tué avec son pistolet one shot. Oh my god. Mais c'est ça, on a juste deux snipers nous autres sur Advanced Warfare vraiment qui sont productifs. Parce que les autres snipers, je préfère pas en parler parce que c'est pas vraiment des snipers. Mais oui, on en a juste deux, puis je me dis qu'avoir un autre bolt action, c'est vraiment quelque chose de vraiment plaisant. Ça mettrait beaucoup plus de variété. Là, on pourrait faire d'autres nouveaux styles de switch feed avec deux bolt action. Ce serait vraiment nice, puis ce serait deux bolt action assez rapides, qui pourraient vraiment donner des affaires super beaux. En termes de clips, je pense que ce serait incroyable. Donc, moi, j'espère vraiment que ça va être quelque chose qui va rentrer sur le jeu. Donc, allez, un petit kill pour quelqu'un. Allez, juste ici. Wouh! Et voilà, la webcam est rentrée tout le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était une petite vidéo que j'ai parlé de certaines petites choses différentes. J'ai parlé un peu de si vous voulez voir des vidéos en IRL. J'ai parlé aussi du intervention sur Advanced Warfare. Et on a rentré un petit clip en bonus. Donc j'espère que la vidéo au complet vous a plu tout le monde. N'oubliez pas de laisser des commentaires par rapport à ce que je vous ai parlé. Sinon, eh bien, comme d'habitude tout le monde, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Sinon, eh bien, je vous dis à la prochaine tout le monde. C'était Prose. Ciao!